Oui, bonjour, ici Darkhaven. Le modpack est désormais disponible dans la description. Enfin, j'ai fait quelques réglages, changé notamment un des mods que j'ai supprimé, c'est pour ça qu'il a pris plus de temps que prévu à sortir. Donc voilà, vous allez pouvoir en profiter. Vous avez le dossier qui sera dans un zip, vous avez juste à le dézipper. Ensuite, vous avez le dossier entier qui s'appelle Fly for Flunts. Vous avez juste à le relier directement dans votre chemin pour lancer votre Minecraft. Comme ça, ça va ne pas dénaturer votre point Minecraft. Vous pouvez le lancer grâce à ce dossier-là. Il vous suffit juste de prendre le forge indiqué en description, vous installez le forge, vous lancez avec ce profil et vous mettez la direction du fichier, tout est fait ensuite, vous pouvez vous lancer à l'aventure. Merci à tous, bon jeu et bon visionnage. Ladies and gentlemen, bonsoir à tous, c'est Darkhaven. Bienvenue pour un nouvel épisode sur Fly for Flunts, la saison 7. Bienvenue à tous. On s'était laissé la dernière fois avec beaucoup de choses. Beaucoup de choses qu'on a exploitées, qu'on a pris. Le cheat était devenu absolument total. Et pourtant, la vie continue, évidemment. Merci. Merci, Balaisie, pour la Sainte Morte. Merci beaucoup. Parce qu'on a beaucoup avancé déjà la dernière fois. Parce que la dernière fois, on s'était équipé d'une autre Fireborn Sword. Évidemment, on a une super épée qu'on a obtenue de la dernière fois. On a réalisé une pickaxe. Le live a duré 6-7 heures, je crois, la dernière fois. Donc, c'est vrai qu'on a... On a poncé le délire. Je crois que j'ai des quantités astronomiques de choses qui sont présentes ici et qu'il faut que je trie, que j'utilise aussi. J'ai aussi un autre mode que j'aimerais commencer. Alors, il y a plusieurs choses. On m'a dit dans les commentaires, commence vite Abyssalcraft, parce qu'au bout d'un moment, les mobs sont nuls, apparemment. Donc, je me dis que ce serait une bonne idée de filer faire du Abyssalcraft aujourd'hui. Mais il y a d'autres trucs que j'aimerais aussi faire. Mais je pense que je vais déjà attaquer Abyssalcraft pour une chose... Ben voilà, c'est le bordel parce que j'ai 800 millions de trucs à faire en vrai. Mais comme d'hab, mais c'est trop bien, c'est ça qui est bien. C'est qu'on a beaucoup d'objectifs. En tout cas, il nous reste encore des runes à récupérer. Il faudra que je retourne dans les donjons. Premièrement, on va trouver un Shoggoth's Lair. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Allez, c'est parti. Il faut se mettre en route. Il va me falloir un backpack aussi. Alors oui, parce que du coup, j'ai des kilos de vaches. Alors pour ceux qui sont pas au courant, j'ai une aura. La copulatide aura, évidemment. Qui me permet juste par ma présence incroyable, qui donne envie, en fait, je suis le gingembre, tu vois. Je suis l'aphrodisiaque naturel. Voilà, c'est moi. C'est, voilà. Je donne envie à tous ces jeunes animaux fougueux de se reproduire furieusement, évidemment, au travers de ces petits enclos. Donc ça c'est bien. Et donc du coup ça m'a permis, parce que j'ai enchanté mon épée, alors elle a Light Pierce 4, bon, ça nous a fait chier. Mais on a un looting 3 avec, et ça c'était plutôt intéressant. Donc du coup j'ai récupéré 800 kg de cuir, ce qui va me permettre de faire notamment un backpack. Voilà. Parce qu'on peut l'upgrade, donc il faudra voir un petit peu ce que l'on peut faire avec. Alors par contre, il faut des ficelles et il faut du tanned leather. Donc c'est juste de la ficelle et du cuir. Ok, bon ça reste ok. Je pense que... Alors qu'est-ce qu'on a fait des kilos de cuir que j'avais récupéré? Attends, où est mon cuir? Non, parce que là je fais un scandale si j'ai pas de cuir. Où est le cuir? Ouais, d'accord, je l'ai mis là. Voilà, j'avais 15 kilos de cuir. Donc c'est très bien. Et donc, il nous faut de la ficelle. Ah oui, j'en ai pas autant de la ficelle, par contre. Faudra que je fasse gaffe. Voilà, ça, j'en ai pas besoin de 15 kilos non plus. Hop. Voilà. Alors, je sais pas... Oui, parce que c'est un truc upgradable, ouais. Et non, il m'en faut 4. Bon, pour l'instant, on en fait 4, on va pas aller plus loin. Ça ira bien, déjà. Petit backpack, toujours pratique. Dérivé des creepers qui arrivent. Hop. Donc voilà, et nous avons donc le backpack. Alors, il doit être trop merdique au départ, oui, voilà, il n'y a que deux trucs. Et alors là, donc ici, on a la blank upgrade qui se fait avec du cuir comme ceci, d'accord, du cuir et des bûches, ensuite de la stone, ensuite du fer, ensuite de l'or, storage upgrade, et enfin du diamant, d'accord. Ok, bon, ça va demander un peu de cuir, alors on va en refaire. C'est l'inverse. C'est dommage que je vais manquer un peu de... Ouais, je vais manquer un peu de ficelle encore. Hein. Mais bon, on va essayer de mettre déjà les upgrades qu'on veut.
D'accord. Ça c'est bon, voilà, je sais pas trop comment ça fonctionne, ça, hein. Il faut des planches et des bâtons, alors on va récupérer ça par truc. Est-ce que je suis obligé de les mettre au fur et à mesure ou est-ce que je peux partir direct sur ça? Je serais assez tenté de me faire juste une upgrade en or et me dire ouais bah voilà, je vais juste en faire une en or pour voir. Et si je peux pas la mettre, bah, on les fera progressivement. Je vais essayer avec l'upgrade de base, là, celle qui est en bois. Faut des bûches. On va voir avec ça. Oh, tu peux le déposer. D'accord, alors je peux le déposer, mais je peux pas... Je comprends pas comment ça fonctionne, là. Faut m'expliquer, je comprends pas. Je vais essayer de le remettre dans la table de craft, alors. Parce que, oui, juste open the backpack. Ah bah voilà. Oui, donc du coup... Oui, on est bien obligé de les faire dans l'ordre. Ok, donc voilà. C'était la théorie, c'était de savoir si on pouvait les faire dans l'ordre ou pas. Il faut les faire dans l'ordre. Du coup... Il va falloir que je retrouve de la ficelle. Là, il faut quoi? Il faut de la stone. Et donc, c'est bon. Bah non, qu'est-ce que vous dites? Pour upgrade jusqu'à l'or, hein. Pas pour jusqu'au diamant. Hein. Alors, avec la pierre, ça fait quoi? Ça fait 4, ok. Ensuite, avec le fer. Ok. Et avec l'or. Hop. Ok. C'est déjà décent. Hein? C'est déjà décent. Ça, c'est bien. Alors effectivement, si, oui, c'est que vous partiez du principe que j'allais faire l'upgrade diamant. C'est pour ça que vous m'avez dit, oui, il va t'en manquer. Parce qu'il m'en faut 2 et ensuite 1. Bah, quoique, non, même pas. Bah non, il m'en manque pas. Il manque même pas de quoi faire le truc. Vous me dites, il va te manquer du cuir, mais pas du tout. D'ailleurs, regardez, j'en prends 1. Et ensuite, ouais, voilà, il manque... Bah non, mais vous dites n'importe quoi. Bah alors. Mais ils sont fous. Les calculs n'étaient pas bons, là. Bon, alors, est-ce que j'ai du diams, moi? Je dois avoir du diams. J'en avais récupéré. Alors, pas beaucoup. Hein, on n'a pas beaucoup de diams, mais on en a ramené. Je sais plus où, d'ailleurs. J'en avais. Il se baladait quelque part. Il faut les retrouver, c'est le bordel. J'avais un peu de diamants qui se baladaient. Ah, voilà, ils sont là. Voilà. On va maxer le backpack. Voilà. Et voilà. Ah ouais, ouais, c'est bien déjà. Ça fait un peu de slot. Je vais faire un truc, un calculator. On va faire ça. Parce que j'ai envie de commencer aussi ce mode. Bonjour, c'est le mois du futur. Donc du coup, calculator, un super mode qui ressemble à Mechanism et également Enderio et d'autres, un mode de technologie du coup que je voulais commencer et que je ne vous montrerai pas puisque en fait il est totalement incompatible. Voire même, il a fait crash mon jeu, vous le verrez plus tard dans la vidéo. Et du coup, eh bien, on va faire une grosse ellipse et on n'en parlera pas. J'essaierai de trouver une autre aventure où il sera compatible parce que là en fait, ça, vous voyez déjà, on peut le voir sur l'aperçu, je fais des duplications, etc. Ça a été un grand bordel et c'est pour ça que vous n'avez pas eu le mode pack immédiatement et qu'il sera disponible sous cette vidéo seulement. Parce que j'ai fait quelques réglages, notamment je me suis débarrassé de ce mode. Allez, bisous. Là, c'est une ellipse. Au revoir. Un peu tout ça. Il faut que je fasse des trash void. J'avais écrit des trash can. Voilà, liquid trash can. Donc, cobblestone, stone et bucket. On va faire ça aussi. Il manque juste le seau. Hop. Voilà. Ça servira de toute façon, parce qu'il y a des fois où je me foire, où il se passe des trucs. Et hop, tu te dis bon, ça va plus vite en faisant comme ça. Voilà, parfait. Là au moins on est tranquille. Bon, maintenant que c'est fait, cobblestone, paf, on agrandit déjà le four au moins de 2 étages. Voilà, encore plus de place évidemment, donc plus, hop. Merde. Ouais, voilà, ça c'est très bien. Plus de cuisson. Là, on est déjà une trentaine de trucs à faire cuire. Comme ça, je peux faire ça cuire à... Je peux faire cuire des stacks entiers d'un coup. Ça ira plus vite. C'est quand il y a des hunters, là. D'ailleurs, je peux les affronter, eux, maintenant. Je pouvais pas avant. Bon, ça, c'est pas parce que je suis cheat, hein. C'est juste parce que j'ai une épée, maintenant, qui est assez puissante. Voilà.
Mais ça n'a pas à voir avec mes capacités. Oula, oula, ah, pas lui. Oh putain, oui, je les avais oubliés, eux. Ah, je peux les affronter maintenant? Oh putain. Alors attends, j'ai un projectile ou pas? Pas encore. Ah oui, ils sont trop chiants, eux. Oh, il y a du monde. Ah oui, il y a eu deux events en même temps. Oui, donc il y a bien eu deux events en même temps. Il y a eu la soif de sang, plus les aliens, là. Et c'est ce truc là avec des canons là. J'en ai besoin pour les... Viens par ici. Putain mais il a 70 de vie ce bâtard. Merde 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 merde. Sors 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 pisse partout. Oh putain. Non mais il y a trop de monde là. Oh, j'ai été slowness. Je l'ai eu. Faut que je bouffe. Oh. Elle donne des trucs de pierre de lune, là. Ah, elle en donne peut-être plus, maintenant. Qu'est-ce qui m'attaque? Oula. Ah oui, c'est eux. Putain, j'ai faim. Ah, pour le hunter, c'est très pratique. Hein. Il vaut mieux que je parte en chasse parce que je vais pex mon niveau de hunter. Et là, c'est là que tu comprends pourquoi j'ai plus d'armure. Hein. Oh, comment je l'ai esquivé? Elle a pas réussi à m'aveugler. Pas mal. Encore du hunter. Il va bientôt faire jour, là. Je me dépêche. Faut foutre un maximum de... Je me débarrasse de trucs, là. Power core. J'ai gagné un power core. Nice. J'ai pas du tout vu ce que j'ai pu drop. Parce que eux, ils m'ont rien donné. Ça y est, l'event est en train de partir. De la poudre à canon, toi, parce que plus j'ai de poudre à canon, plus j'ai de munitions pour mes armes à feu. Hop! Ok. Mon stuff. Mon stuff, il n'y a pas de stuff. Mon stuff se fait éclater à chaque fois que je vais chercher du hunter. Alors, où ça? Vous avez dit du stuff? Il n'y a pas de stuff. Alors, peu hors corps. Ah, on peut faire des trucs bien. Pas mal ça. Oh oui, oui, ça donne. C'est un truc ouais, vraiment qui est nécessaire pour pas mal d'armes. Par contre, ça va être un délire pour s'y retrouver. Hein. J'ai dit, le Hunter c'est chiant Apex, donc là déjà level 8, voilà, on augmente un petit peu, c'est très très bien. Pour la suite des événements, c'est très bien. Voilà, ce sera suffisant, là je vais pouvoir passer à la fonte des minerais. On va prendre du fer, de l'or, on va les récupérer. Il reste combien là? Deux blocs. Oh putain, j'ai eu peur. J'ai eu peur, putain. Il m'a fait sursauter ce con. Qu'est-ce qu'il fait lui, monsieur? Pourquoi vous avez une masse là? Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous me voulez du mal? Alors, ok, eh bien ça. Voilà, bonne récolte. Bon, il faut que je fasse fondre encore tout le reste, mais. Bon. La limonite, le rosite. Je sais pas si. Ah, je peux les démultiplier ou pas Ce serait Ah bah oui, c'est compatible, donc ouais. Et donc logiquement, ouais, je peux avoir deux lingots avec ça. Donc du coup, c'est carrément worst.
J'espère que ça fait pas d'alliage par contre, hein, parce que là j'ai balancé Rosite Limonite en mode allez, allez. Ça fait bizarre de faire fondre des. Alors j'avoue que c'est comme c'est la première fois que j'ai une. Ça fait bizarre de pouvoir faire fondre ouais, tous les éléments de Advent, parce que jusque-là Advent était pas du tout compatible. Et c'est Advent of Ascension est compatible avec Tinker, donc ça fait bizarre. Mais tant mieux. Parce que du coup c'est un nouveau moyen aussi de démultiplier un petit peu tout ça. Il manque un petit lingot. Faut que je trouve le bol, parce que pour de l'infusion, du coup là, si je veux faire le fifou un peu à l'infusion, il suffit que je cours comme un fou et faire... Voilà. Et après... Voilà. Je gagne mon XP avec ça. Voilà, là j'ai pris un level. Et donc en augmentant mon level, donc je vais gagner des Glistering Infusion Stone. Voilà, level 8. Et donc si je veux du Unbreaking déjà... J'ai essayé de me faire un bol en diamant. Alors parce que actuellement avec la Glistering... Je sais plus ce qu'on en fait. Je sais pas si je peux... Pex... Je sais pas si elle a... Genre si tu peux... Juste la foutre comme on faisait avant. Ah oui! Ah oui! Oui, tu peux l'utiliser directement. Ok, je suis passé level 10. Nice! Oui, on peut utiliser les. Alors, la Glistering, elle, par contre, elle peut s'utiliser, voilà. Dans des trucs. Mais alors, à chaque fois, c'est des trucs différents. Voilà. Bah, là, par exemple, j'ai accès à Sharpness 2, désormais. Et Sharpness 1. Là, j'ai accès à Smite. Alors, évidemment, après, il faut ça aussi, hein. Parce que. Rabbit, charge uranium. Oh, ça va, c'est pas encore trop cher. Ouais, truc de lapin quand même. Bon, ouais, c'est vrai qu'on n'a pas non plus. Voilà. Diamond Ball. Oh putain, c'est cher. Ah le bâtard. Putain, il se met bien hein, le Diamond Ball là. J'espère que lui il a pas de Dura. Hein. Parce que putain. Ouais, je parie que si, mais c'est plus ça dure plus longtemps, non? Attends, on va regarder ça. On va partir, on va dans les extrêmes îles, il y a souvent beaucoup de... En fait, dans chaque dimension, on va pouvoir trouver certaines pixies comme ça qui vont nous permettre de pex. Et voilà, il y en a énormément hein, depuis toujours dans les extrêmes îles. Alors, je n'ai plus de dégâts de fall damage non plus, je crois, donc je suis assez... Comment c'est ça qu'il y a des maisons tout autour? Ah, you need... Ah, c'est un... les maisons, c'est des structures. Fusion 11. J'ai cru que c'est un moment que c'était toi qui as construit. Waouh, t'as super bien construit et tout, mais en fait, non. T'as vu, c'est moi. Ah, d'accord. En fait, je peux pas. Ah, mon bol, je peux m'en servir qu'au level 11. D'accord. Ah, bah, tant mieux alors. On y arrive. Il me manque juste un level, je crois que je suis level 10. Et bah, voilà, level 11. Hop, nouveau bol. Pour une nouvelle vie. Ok, donc là, on est passé level 11. Mon objectif, je crois, c'est le level 16. Et encore, parce qu'il n'y a pas que le 16, je crois que j'ai besoin d'autres matériaux. Oh, je fais du 22. Oh, dame. Ah oui, d'accord. Et il a 750 de dura. Ouais, donc c'est 7 fois plus durable. 7,5 fois plus durable que ce qu'on a actuellement. Avec tous les diams que t'as mis dedans, il y a intérêt. Bah, un diams pour son dura, j'ai envie de te dire. À peu près. Mm-hmm. Ah, et puis il me donne 50 d'XP d'un coup, là. Donc déjà, on va plus vite. Voilà, hop, level 12. Ah ouais. Oui, bien plus efficace, ça. Y'a plus haut que le diable ou pas du tout c'est... Non, y'a pas plus haut, c'est que lui. Parce que déjà bien. Hein. Oh, ce piou-piou. Ça fait longtemps. Ah, ils sont toujours là. Hein. Y'a même un enchant avec Tinker qui permet d'avoir... ton épée peut faire le bruit du piou-piou. Truc absolument énervant. Tu m'étonnes. On a combien en infusion là? Tu 15. Oui, j'ai crash. J'ai cliqué trop vite. Ticking World. Ouais. Oh, ce crash. Ouais. Oui, à mon avis, j'ai cliqué un poil trop vite.
Ceci est maintenant la page de pub. N'oubliez pas que vous pouvez me soutenir avec le code créateur Darkhaven, D-A-A-R-K-H-E-A-V-E-N, notamment quand vous jouez à Rocket League. Le mec qui est mort. L'eau, c'est la vie. La vie, c'est l'eau. Buvez. Et l'eau, c'est fort, parce que... ça porte les bateaux. vite, un autre truc. Suivez nos réseaux sociaux comme Twitter. Twitter, Facebook, Instagram, oubliez pas, je fais des lives. Eh oui, ici actuellement, c'est un live. Oh, pour Rocket League, en vrai, ça marche, hein, le code créateur, n'hésitez pas. Hein, c'est D-A-A-R-K-H-E-A-V-E-N. En vrai, ça m'aidera de ouf. Alors là, je vais réessayer une dernière fois de lancer le truc. Si ça marche pas, je vais peut-être supprimer tout simplement le mode. Je vais peut-être supprimer calculateur, voilà, directement. Et lancer 100. Je me présente, je m'appelle Dark Ivan. En tant que Dark Ivan, entrepreneur évidemment, dans une énorme boîte de salariés, je dispose désormais de tous les moyens pour rendre votre vie, eh bien, meilleure, tout simplement. Pour gagner plus d'argent, eh bien, c'est simple, écoutez-moi et achetez ma formation en 800 chapitres, 400 tomes, disposant de 50€ l'unité des tomes, et grâce à ceci, après un an de lecture, vous arriverez, eh bien, probablement à gagner autant d'argent que moi j'ai réussi à en gagner. Mais dis-moi, où est-ce que ce livre ? Ce livre se trouve exactement dans la description. N'hésite pas à y aller pour te renseigner et gagner beaucoup d'argent. La réussite n'attend que toi. Alors, fais le bon choix. Bisous. Parce que la question est vite répondue. Merci Dark Evan, je vais acheter, je ne sais pas. Et je vous le rassure, ce n'est pas une arnaque. Pourquoi t'as un couteau dans la main ? Alors tu as peut-être des problèmes de connexion, ce qui peut être normal, mais c'est un stylo bic. Alors je peux faire du mal avec des gens, c'est vrai, ça peut être une arme létale, mais pour l'instant, ça reste un bic. Alors il est vrai qu'avec mes années kung-fu, c'est vrai, je fais une formation pour ça aussi, cliquez. Il est vrai que je peux m'en servir et hop, dans les trous de nez, Ippon Sonage, hop, à terre, tout de suite. Pour contrôler un individu, généralement c'est facile, il vous suffit d'un bic. Regardez, bic tout simple, un bouchon, capuchon, vous voyez. Hop, rapidement comme ça. Vous voyez, comme le... t'en as marre, tu fais un fuck au fait au mec. Hop, dans les trous de nez, Ippon Sonage. Des notions de judo un petit peu, évidemment, sont requises, mais clairement, avec un peu d'entraînement, vous serez prêt pour une survie totale en milieu hostile. Voilà, j'ai été dans les endroits les plus durs, les plus arides, les plus dangereux, mais ne vous rassurez-vous, dans votre trousse de survie, il faut impérativement un bic. Noir de préférence. Merci, Sensei Dark Evan. Oh putain, il y a un gif, j'avais pas vu. Merci. On m'a pas appris ça à mes cours de judo. Si, Ippon Sonage, tu l'as appris. Ce que tu n'as pas appris, c'est la technique du maître. Le stylo. Ne prenez pas, prenez des risques. Dépensez tout votre argent. Ce mec. Devenez pauvre pour plus de richesse. J'en achète 10 ici, con. Merci, Valessi. Parce que c'est vrai que... avec ce simple stylo, vous faites effectivement un mode de survie assez exceptionnel. Hein. On l'a dit déjà, dans des conditions extrêmes, le bic a son utilité. Mais parfois, l'extrême peut être deux fois plus extrême. Et pour deux fois plus d'extrême, il faut deux bics. Évidemment. Donc là, c'est un dans chaque narine, en croisant les bras. Ippon Sonage. Toujours Ippon Sonage. C'est comme ça que vous... Je me regarde et je me dis, putain, je me fais rire moi-même, tu sais, j'arrête là, j'ai envie d'imaginer le truc, oh, c'est complètement con ton truc, ça marchera jamais, arrête, tu peux pas savoir. À la base, tu as planté le mec d'un... Ippon Sonage, le mec à chaque fois. Tu as ce verre d'eau, tu en bois une petite gorgée, Ippon Sonage. Tu le jettes. Oh, ça me fume. J'ai craché mon Aïsti sur mon chien.